Et ça y est, on est reparti pour Hyrule Warriors. Warrior, je sais pas. Chapitre 3, normalement. J'y ai pas touché depuis... Depuis presque une semaine. Ça commence à faire. J'avais fini toutes les quêtes annexes. Donc on continue l'aventure principale. Hop là, le chat il est par là. J'ai pas de son. Si ça y est, j'ai du son. Tout va bien. Tout est nickel. Donc, c'est ça, chapitre 3. Ouais. Un petit résumé. Donc on avait libéré la forêt Korogu. On avait affronté le premier méchant. On a récupéré l'épée de légende, et tout de suite, c'est la suite. Donc c'est parti. Équipe. Que Link? On peut pas changer? Non, que Link. Bon, il a son épée de légende, il est équipé. Ouais, je me suis amusé, je l'ai rhabillé. J'aime bien la tenue Ilienne, elle est sympa. Allez, parti. Il va falloir que je me rappelle des commandes. Alors que l'apparition du chevalier purificateur avait animé le peuple d'un nouveau souffle d'espoir, Zelda demeurait seule à ressentir inquiétude et frustration. Elle avait beau méditer et étudier, rien ne pouvait dissiper ses peurs. Un jour, Zelda était partie étudier des reliques en compagnie des pilotes des créatures divines. Et il s'apprêtait à rentrer au château d'Hyrule sans rien avoir trouvé d'intéressant. Quand soudain... Ah, il a pas fini par un mais cette fois-ci. Ça change. Non, je trouve que la narration elle est un peu moyenne. Bon, l'histoire est intéressante, hein. Enfin, faut voir la suite. Mais ils auraient pu faire un peu plus d'efforts. Une capture photo rare de Mika sans lunettes et sans buée. Que dois-je faire? Salut, comment ça va bien? Si je ne parviens pas à éveiller mon pouvoir... Ah, ça y est, on en est là. Elle essaye d'éveiller son pouvoir. Oh, la berceuse de Zelda! J'en ai des frissons.
Ça me rappelle tellement de choses. Tu es... ennemi en vue ! Moi, ça va. J'ai froid. Hein, ça y est, on est en hiver. En plus, il pleut dans le coin, là. Enfin, il pleut. Ouais, c'est de la pluie. C'est bon, j'ai pas oublié ça. Franchement, le gameplay de Hyrule Warriors, il est quand même meilleur que... que comment ça s'appelle ? Que Phoenix Rising. Il est beaucoup plus intuitif en fait. Je dis ici, je crois qu'il y a des annonces un peu neige fondue. C'était annoncé pareil un peu chez moi. En fait, c'est annoncé de la pluie, mais de la neige selon la température. Donc on va voir. Faut que j'aille où, en fait. On va récupérer ce camp. Bon, je sais pas si on verra Mag. Elle voudra peut-être pas se faire spoiler. Ça c'est fait. Il faut que j'aille à l'autre bout de la map, mais on n'y est pas encore. C'est monde. Il y en a plein qui m'attaquent. Perso, le spoil ça me dérange pas dans un jeu comme pour Phoenix Rising, j'avance tranquillement même si je suis satisfait. Bah c'est cool, merci, c'est gentil. Au moins je me sentirai pas seul. Ah, y'en a que ça dérange hein. Moi ça dépend des fois. C'était quand c'était quand Céline avait streamé Paper Mario, elle devait le streamer je sais plus quand, un vendredi soir je crois, et je l'avais commencé un petit peu avant elle pour pas me faire spoiler le début. Aïe, méchant. Après, ben, hier, elle a commencé au Okami que je n'ai pas fait non plus. Là, par contre, tu vois, le spoil, ça me dérange pas. Ça, c'est fait.
Déjà ? T'étais pas solide, mon pote. Bon, faut dire, j'ai tellement... Bon, c'est vrai que les missions annexes, ça avance, ça aide quand même pas mal. Normalement, je devrais être niveau 23 pour la mission, et je suis niveau 28. Rien qu'avec les missions annexes. Allez, meurs! Là? C'était pas le bon. Ah mais il y en a deux. Faut en faire maintenant, sinon la fin s'agace trop. J'ai pas compris. En plus, là, cette folle, elle s'est remise sur Animal Crossing, donc elle a pas fini, à mon avis, de pas avancer sur les jeux. C'est bon ? Non, il en reste encore plein ! Ah, ça y est, ils arrivent ! Bon, je laisse nettoyer, moi j'avance. Il est cuit déjà ? Ah, je reconnais la zone, c'est les marécages qu'il y a à l'est du château. Je reconnais les plateformes là sur l'eau. Les quêtes annexes, si t'en fais pas et qu'à la fin tu veux faire le pour le 100%, attends. Tu veux les faire pour le 100%, tu en as trop et moi ça me saoule donc je les ai fait en allant. Ah oui, non, mais je fais... En fait, en stream, je fais que les quêtes principales, on va dire. Et l'annexe, je le fais hors stream. Sinon, ça va prendre des plombes aussi pour finir ce jeu. Parce que ouais, des quêtes annexes, il y en a une chier quand même. J'en suis à 12 heures de jeu, il me semble. Alors que j'ai fait que 6 heures de stream. Bon, j'en ai fait autant en stream que hors stream. Allez, meurs! Il y a un sorcier aussi dans le coin, là? Ah oui, il est là! Y'en a un autre encore ? Non, c'est bon.
Poussez-vous, excusez-moi. Ah! Ça, c'est fait. Sorcier de glace dans le parage. Ah oui, donc là en fait on est sur le chemin. Oui, tout bêtement on est sur le chemin du retour. Ah non, c'est pas un sorcier de glace. Ah, hop là, feu. Adieu. On est sur le chemin de retour de la. De la forêt. Vers le château d'Hyrule. Donc oui, c'est bien sur le chemin. Là. Ça, c'est fait. D'autres volontaires? Ah, il y a un sorcier de glace. Ça, c'est... Oui. J'aime pas la glace. C'est froid. Évidemment. Voilà, ça dégage. C'est quoi ça? Ah mince. Est-ce que j'ai le temps de m'occuper de ces saletés? Non, parce que je vois que j'ai un temps limité en fait. Allez, au revoir. Bon, il reste 14 minutes, je suis large. Ah, il y a un coffre là. Allez, au revoir les Littorok. Y'a du monde là. Ah mais c'est chiant, c'est électrique là. Voilà. Ah mais j'y suis pas encore. Allez, on continue. C'est bon. J'aurais tellement préféré avoir Impa, pas Impa, Urbosa, elle est tellement géniale. Ok, ils sont nombreux.
C'est bon ? Merci, au revoir. Ah, faut que je prenne possession de la zone. Ok, c'est parti. Je suis pas cadré. Ouais, j'ai essayé de bouger la cam pour mettre un peu de déco derrière moi, mais c'est pas terrible, terrible. On y est presque. Oh non, des littoraux... Des... Ouais, c'est bien ça. Pas mal, la Triforce derrière toi. Ouais, j'aime bien. Normalement, elle s'allume, mais... on voyait rien, en fait. Allez, grimpe. Ça, c'est un truc qui manque, de pouvoir grimper sur les ennemis. C'est pour ça qu'Urbosa, elle est géniale avec ça. Vu qu'elle fait de la foudre, elle les atteint. Rien. C'est bon. Finito. Ouais, c'est bon, c'est fini. Pourquoi il y a des littoraux ici? Ils sont bien loin de la montagne. Bon, Jess, je crois que tu vas gagner plein de points face à Mag. Lui est de plus en plus fort. Alors que moi, de mon côté, c'est bien ce que vous pensez, n'est-ce pas? Ces derniers temps, les monstres sont de plus en plus nombreux. Sans doute un signe que le fléau se rapproche. Alors, le temps nous écoutait. Et pourtant, j'attends toujours que mon pouvoir se manifeste. Madame. En vous comparant à Link de la sorte, il me semble que vous faites fausse route. Regardez-le. Vous trouvez qu'il a changé depuis qu'il porte son épée? Pas le moins du monde. Il est toujours prêt à relever les défis qui lui semblent à sa portée. Je pense que c'est tout ce qui lui importe. Et vous? Vous n'êtes pas tellement différente de lui. Songez à tous les efforts que vous avez fournis. Oui, mais dans mon cas... Vous impatienter ne sert à rien. L'arbre Mojo vous l'a bien dit, n'est-ce pas? Tout ira bien. Vous n'avez aucun reproche à vous faire. Mais vous devez croire en vous. Merci, Urbosa. Les pilotes des créatures divines et le chevalier purificateur joueraient un rôle essentiel face au fléau. Le roi les rassembla tous les cinq pour une cérémonie d'intronisation qui les consacrerait en tant que prodiges.
Sous les acclamations du peuple, la cérémonie se termina sans encombre. Les prodiges allaient pouvoir profiter d'un bref moment de répit. Ça y est, on dirait que notre équipe chargée de sceller le fléau est enfin au complet. Youhou ! Les Avengers ! Avec le chevalier purificateur et les quatre prodiges à vos côtés, vous serez bien entourés, votre Altesse. Tout ira bien. Oh, veux-tu bien arrêter de nous déranger ? Contrairement à toi, son Altesse est très occupée. Oh ! Dis donc, toi ! Oh ! Si tu tiens autant à son Altesse, tu pourrais le montrer ! Oh ! Et te comporter mieux que ça! Allons, vous deux. Arrêtez de vous chamailler. Profiter ainsi de la gentillesse de son Altesse, tu n'es vraiment pas possible comme gardien! Dis, Tarouk, à propos de ce dont je t'avais parlé... Ah, t'as dit que tu voulais t'entraîner, hein? Je suis disponible quand tu veux. Merci. En fait, je voudrais devenir plus forte pour pouvoir... Ouh, la zoophile! Va-t'en! Non, laisse-moi tranquille! Allez vous chamailler ailleurs! Hé! Hey, attends un peu, toi! Oh, arrêtez! Ah, je vous jure. Ça doit faire des drôles de bébés, un Ilien et un Zora. Est-ce que ça marche? Il est beau le cœur là-haut. Et celui-là aussi. Mais il y a plein de cœurs, c'est quoi tous ces cœurs? Forteresse d'Akala. Ok. Il faut être combien? Il faut être niveau 25. Je suis large. Oh ouais. Ça, c'est pratique. De la prochaine bataille. On a trouvé à quoi servaient les noix Korugu en fait. Bon, pour des emplacements d'armes, c'est pas vraiment utile. Quel est l'intérêt d'avoir autant d'armes, je sais pas. Les vendre moins souvent peut-être. Ça, c'est bon. Un cœur pour tout le monde. Bien joué. C'était impressionnant. Ouais. C'était vraiment impressionnant. Je compte faire encore mieux. Ah, pas assez. Et là, pas assez non plus. Je commence à être à court. Ah, là, normalement, il y a une fée, non ? Ou, non, elle est là, la fée. Bref. On va aller faire cette... Non, il y en a une ici, peut-être. Ouais. Je dois faire encore plus d'efforts.
Du coup, en stream, je suis aussi un petit peu entraîné avec les autres personnages. Mipha, ça va, je commence à la maîtriser un petit peu. Allez, j'y vais. Voilà qui est rassurant. Link, Zelda et Urbosa. Ok, on va faire comme ça. Il y a quoi comme ennemi là? Il n'y a pas de détails? Ah, je croyais. Non, c'est pas bon. Hé, hey, Mag! La voici, la voilà. Tu viens te faire spoiler un petit peu? Oh, je me posais la question si t'allais venir ou pas. Il achète une PS5 sur eBay, il reçoit un bloc de béton. Je l'ai vu celle-là. Ça fait cher, ouais. Bordel, je pars de PS5 et voilà qui arrive. Oui, en effet. Je l'ai vu dans l'après-midi, cette info. Ouais. Ah, au poids, ça doit être à peu près pareil. Hein. À piloter leur créature divine, Prua et son équipe de chercheurs, experts en reliques, étudiaient la tour qui était soudainement apparue dans la plaine d'Hyrule. Ils découvrirent que la tour Sheikah, telle qu'il l'avait baptisée, n'était pas unique en son genre. D'autres tours similaires étaient enfouies profondément à travers tout le royaume, et leur émergence semblait contrôlée par un dispositif à l'intérieur même du château d'Hyrule. Oh oh ! Les chercheurs aboutirent à la conclusion que le dispositif de contrôle des tours Sheikah ne pouvait être activé qu'au moyen de la tablette Sheikah. Zelda décida donc d'aller étudier de plus près ses tours avec Prua et les prodiges. Bah, l'histoire de la PS5, c'est un mec qui a commandé une PS5 sur eBay ou je sais pas où, et puis le mec, en fait, il a reçu un parpaing de béton. Encore quoi. À étudier ses reliques. Père. Pensez-vous avoir le temps de vous préoccuper de telles futilités? Eh bien... Oh. Bah, ça lui apprendra à faire confiance aux gens sur eBay, quoi. Ou sur Le Bon Coin, ou quoi que ce soit. Moi, la PS5, ça sera un magasin que je l'achèterai. Ceci est une relique que j'avais trouvée un jour où j'étais sortie avec Mère. Il y a bien longtemps. Je m'en souviens encore. Mère et moi avons beaucoup discuté à son sujet. Nous pensions qu'elle renfermait sûrement un pouvoir spécial. Mais en fin de compte, je n'ai jamais réussi à déterminer son utilité. Ils en parlent de ce médaillon dans Breath of the Wild ? Mère, plus nous en apprendrons sur le fonctionnement de ces reliques, meilleures seront nos chances face au fléau. Certes. Mais vous oubliez que là n'est pas du tout votre rôle. Je n'ai nullement l'intention d'abandonner mon entraînement, mais j'essaie seulement de servir le royaume au mieux, de me rendre utile autant qu'il est possible. J'estime, pour ma part, que vous vous dérobez à votre devoir. Je vais fermer les yeux pour cette fois. Mais j'espère m'être bien fait comprendre. Mais après, là, il y a arnaque, clairement, donc il peut se retourner contre le vendeur, et le vendeur, il va devoir le rembourser. Ce qu'il y a... Il y a mensonge sur la marchandise. C'est comme ceux qui vendaient des photos de PS4 à 500€. Et s'il restaure ces machins-choses chez Ika, qu'est-ce qui se passera au juste? Il semble que cela leur révélerait instantanément l'emplacement et la nature de nos forces. C'est sûr que ça nous arrangerait pas s'ils savaient où nous trouver. Des mesures ont été prises.
Le moment est venu de travailler un peu pour moi. Un peu de respect, Sopa. C'est un ordre du Seigneur Canon. Oh, pardonnez-moi. Un gardien abritant le fléau Canon, avec une telle merveille en ma possession, j'aurai le monde entier dans le creux de ma main. Ça paraît incroyable. Peut-on vraiment contrôler le pouvoir du fléau Canon aussi facilement? C'est bizarre que ce gars, il a peut-être un lien avec Vati quand même, on en parlait, mais c'est pas lui. Enfin, je pense pas que ce soit lui. Mais ils ont un petit peu les mêmes... ambitions. Pourquoi c'est Link qui a la tablette Sheikah et pas Zelda? Look. Le monde entier dans le creux de la main, c'est dans Spider-Man 2. Ah ouais? Formidable. Tout s'est passé sans problème. Dans ce cas, autant qu'on... Je m'en souviens pas. Ah si, oui, avec Docteur Octopus, là. Avec ses fameuses mains. C'est vrai Après qu'il en parle. Après avoir réussi à réactiver la tour de la plaine, Link et ses compagnons se mirent sur les instructions de Prua à restaurer les unes après les autres les tours qui étaient apparues aux quatre coins du royaume. Mais l'ennemi n'avait pas l'intention de leur laisser le champ libre. En arrivant à la dernière tour, celle d'Akala, Link et ses compagnons allaient découvrir que le gang des Iga les attendait de pied ferme. Bon, là, devrait plus y avoir de spoiler. Maintenant, ça va bastonner un petit peu. Comme voilà. Moi je préfère elle. Hein? Et on voit ça, tu verras, elle a trop la classe. Pour moi, c'est le meilleur personnage pour combattre. Elle est rapide, elle est puissante. Du moment que j'arrive à empêcher Jess de remonter. Ah, il est trop défaitiste. J'en ai parlé tout à l'heure, mais il a dit non, j'y arriverai jamais. Tu veux un problème, toi? Je m'attendais pas à ça. Ah putain, quand il y en a deux, c'est pas évident. Hein. Voilà, c'est mieux comme ça. Tu me cherches, Mac, je vais aller voir mon cousin, il va faire sauter ça. Tu as eu la malchance de m'avoir face à toi. Si ton cousin il bosse chez Orange, faut lui dire que de venir installer la fibre chez moi. J'en ai marre de pas avoir la fibre.
Ils ont fait tout Nîmes, sauf mon quartier. Et avec ma chance, je parie que mon bâtiment va être fait en dernier. Ah, on reconnaît bien la forteresse Akala. Ouais, je regarde le paysage. Je trouve que c'est sympa. Comme ils disent, ouais, le jeu il est pas forcément canon. Et si je gelais tout ça ? Ah, raté. Mais on se retrouve quand même dans l'univers Santa avant. Et on voit comment ça pouvait être. On peut se créer une idée en fait. Viens ici toi. Allez, approche. Urbosa, elle est géniale. Moi, je suis fan. Ouais, va falloir faire le tour. Examiner le fourneau antique. On y va. On a rencontré aussi le joueur de castagnette là, le... Comment il s'appelle déjà, le Korubu géant. Cyberpunk s'est mal barré pour qu'il tourne sur ton PC d'après ce que j'ai compris, car les tests il rame et bug même sur des monstres de puissance. Ouais, il paraît qu'il est complètement bugué le jeu. Donc on va bien voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive, Zeldi? Oh oh! Pour explorer tous ces endroits? Bah, c'est parti! Alors, attends. Zelda, elle part par là-bas. Et Link, il va là-bas aussi. Et Zelda, on va l'envoyer là. Finalement, comme on disait, le jeu Day One, c'est pas une bonne idée. Il sera opérationnel dans 6 mois. J'ai eu la malchance.
chance de m'avoir face à toi. Je vais l'activer quand même avant de partir. Bah du coup samedi si ça marche pas soit on fera le casse pas au Fada, soit on fera Phoenix Rising, soit il marchera un petit peu et vous allez m'entendre beaucoup râler. Je ne m'attendais pas à ça. On verra. Arrêtez-vous. Trop tard. Si tu pouvais sortir de ce coin là qu'on peut pas se battre, viens ici toi petit. Allez, ramène ta fraise, crétin. Boulet. Chance de m'avoir face à toi. Pas question. Madame, je veux faire un petit peu. J'aurais dû envoyer Urbosa de ce côté, il y a trop de monde. Je sais plus, je le prendrai plus tard. Sur PS5, ouais, pourquoi pas, bonne idée. Maintenant, ils s'en foutent quand tu peux passer à une époque, les testeurs testent les jeux à fond, car sinon c'était mort. Édition Day One Unlimited. Ouais. Après, je pense que à l'époque, quand tu pouvais pas. Ouais, donc oui, il y avait beaucoup de testeurs parce que tu pouvais pas corriger les jeux après. Mais je pense qu'il y avait quand même beaucoup moins de trucs à vérifier. Après, c'est quand même bizarre qu'il y ait des bugs aussi gros. Merde, raté, j'aurais pas dû faire ça. Je me suis trompé, j'ai appuyé sur tous les boutons en même temps. Donc ça, c'est presque fait, activé. Et on va voir Link maintenant. Peut-être. Non, on peut pas. Bon, bah voilà, on va le rejoindre à pied alors. Ah si, c'est bon.
Ah, parce que j'ai lu qu'il y avait des bugs, que des fois les personnages non jouables, ils se mettaient dans des positions n'importe comment. Donc ça c'est un truc même en alpha test tu le vois normalement ça. Je sais pas. Bref, on verra samedi ce qu'il en est. Hein. Au pire, ça ramènera peut-être des moments très rigolos. Hein. Activé. Et on reprend la princesse du désert. Sésame, ouvre-toi. Ouais. Ils ont peur. Lâche. Il a pas l'air en forme. Oui. Allez, rejoignez-moi. Tous ensemble, tous ensemble. Par là. Ah, c'est le super vilain. Ouvre grand les yeux. Assez parlé. Bah alors, tu fuis, espèce de lâche. Il me rappelle un certain squelette qui fuit à travers le temple. Yahaha! Génial. Rater l'esquive. Urbosa, attaque fatale foudre. Allez, je l'ai.
Je me suis fait s'épeler. Ok, bonne soirée. Merci d'être passé quand même. Et à demain chez Céline. Ah, ça y est, Zelda nous a rejoint. Contre toi, tu vas pas faire long jeu, mon cher Soupa. Soupa Soups. Et si je gèle tout ça? Désolé. On va encore. On continue. Tu m'étonnes que la forteresse d'Akala soit en ruine après. T'as vu ce bordel qu'on fout? On a détruit des piliers et tout. C'est pas... Et si je gèle tout ça? C'est à moi. C'est étrangement vide ici. Demi-tour. Trop tard.
voir. Ouvre grand les yeux. Allez, prenez ça. Ça fait mal. Et c'est fini. Plus de Choupa Choups. Oui. Oui. Ça tient en haleine. Ah cool, Céline a compris comment streamer en 1080p. On verra ce que ça donnera son stream demain. Moi j'y arrive pas, j'ai pas la fibre. Ça marche pas. Bon là je suis en combien? Je suis en 720 non? Ouais, 720p, 30fps. C'est correct. Regardez comme la vue est belle. C'est magnifique. Pourquoi? As-tu découvert quelque chose? Ah, je vois. En connectant la tablette Sheikah au terminal. Pourquoi? Votre Altesse, on dirait que cette tour enferme une incroyable puissance. Il semble qu'à l'origine, ces tours Sheikah étaient des édifices censés détecter la résurrection du fléau. Au moyen du terminal, la tour transmet des informations sur son environnement à la tablette Sheikah. On peut ainsi voir en un instant toute la géographie d'Hyrule et les mouvements des monstres. Ça veut dire que nous pourrons établir notre stratégie tout en suivant les déplacements de l'ennemi? Exactement. Si tu la perds, ça va pas. Bon, plutôt qu'une longue explication, le mieux est peut-être de passer à la pratique. Waouh, toutes ces missions, ça fait beaucoup. Oh là là, il y en a trop. Tout ce qu'il y a. Ouais, mais on va pas faire ça maintenant, hein. Juste aller voir ce que c'est ça. Ouais, j'ai rien, ça c'est quoi? Recharge des cryonis plus rapide. Ah ouais, pourquoi pas, ça peut être pratique.
C'était impressionnant. Résolvez tous les problèmes. D'accord. On n'y est pas encore. Je m'occupe de la prochaine bataille. J'ai trop de jeux. Quand est-ce que je pourrais faire tout ça? Vendredi soir, à la rigueur. Rien ne va m'arrêter. Ça, c'est une mission. Ça, c'est une mission aussi. Ça aussi, ça aussi. Une recette. En plus, pour farmer, t'es obligé de refaire des missions plusieurs fois pour obtenir certains ingrédients. Donc, il y a quand même du farm à faire dans le jeu. Ou alors, on peut les acheter aussi, à la rigueur. C'est quoi ça? Ah, il faut 4500 rubis, mais on n'y est pas encore. C'est une force nouvelle. On pourrait peut-être deviner les personnages par zone. Bon, là, il n'y en a pas. Là, c'est Daruk. Ici, on a Noya. Là, il y a Zelda. Là, il y a... Non, là, il y a Link et Zelda. Là, il y a Zelda. Ici, c'est... Comment il s'appelle, ce monsieur? Revali. Bon, là, c'est Urbosa. Ici... On a Impa. Et là, il n'y a pas de personnage là? C'est Link encore? D'accord, dommage. Donc c'est possible qu'il n'y ait pas d'autres personnages à débloquer. Bien joué. Niveau conseiller 33. Ah. Faire des combats annexes un petit peu, hein. Et on est au chapitre 4, ok. Et pas une par là? Avec Urbosa, ça serait pas mal. Allez, on va faire ça.
On va garder Link. C'était pas mal le repère des Giga dans Breath of the Wild. Ouais, c'était le côté infiltration du jeu. C'était pas évident d'ailleurs. D'ailleurs, toute la partie de désert était sympathique à explorer. Bien galère. J'avais bien aimé la quête des 8 héroïnes. Merdez. Ça c'est fait, au revoir. Oula, il tape fort ce monsieur. Faire. La molle d'accord apparaît. On va le sécher. Ça, c'est bien ça. Ceux-là, ils étaient vachement galères à buter dans le jeu. Là, ça va. Avec tous les capitaines Gerudo, je devrais m'en sortir facilement. Thank you.
Ah, presque. Heureusement que c'est pas chronométré. Allez, on va en faire du steak. Il est balèze, c'est un gros morceau. Niveau 33, tout à l'heure la mission c'était niveau 25. Comme quoi il faut quand même pas mal farmer entre chaque mission maintenant. Ah, toujours dans le désert. Niveau 27 et niveau 26. On va prendre ça. Ouais, gain d'expérience. Il manque le logo Disney devant le château, je trouve. Pas de chronomètre, c'est bien. Je l'ai même pas vu arriver.
par où la sortie? Par là. Ah! Ok. Il faut protéger la base alliée alors. J'avais pas prévu ça. Ah oui, il y a même du monde, ils sont trois quoi. L'esquive, c'est plus mon truc, hein. J'attendais que vous étiez que vous soyez à côté de moi. Bande de saligots. Il est trop tard. C'est bon, ça c'est nettoyé, on peut repartir. Link, t'aurais pu tous les tuer, non? Quelle esquive! Mais tu gèles pas du mauvais côté. Allez,
Et un moblin grillé à point. Oui. C'était chouette. Bouh, 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 partez. C'est limite, limite quand même à chaque fois. Hein. On va essayer d'en faire une... Bon, on a le temps. Je pense que la mission, on la fera un peu juste avant la fin du stream. On va continuer à farmer un petit peu. Je dois faire encore plus d'efforts. Ah, plus de sous. C'est parti. J'aimais aussi Mipha. Elle me rappelle un peu Ruto dans le premier Hyrule Warrior. Elle a un peu le même style de combat. Forcément, c'est des auras, c'était facile. Ils ont récupéré les mêmes assets. Il manque toujours Linkle, ouais. Mais elle est pas canon, Linkle. Vous savez, ça serait original qu'ils mettent un alter ego féminin à Link pour de vrai. C'est après tout la réincarnation du héros. Ça peut être... ça à chaque fois c'était dans le corps d'un blondinet, mais ça pourrait être dans le corps d'une blondinette, hein, ça serait pas gênant en fait. Pour les Littorok, elle est efficace aussi. Elle est où ma destination? D'accord.
vrai foutoir. Il en reste ? Il en reste un. Ah, c'est cette attaque que Ruto elle faisait. Eh ben. Quel cafarnaum. Oui. Waouh. Essayez d'en faire une de plus. Soit avec Impa, soit avec Urbosa, soit avec Link, soit avec Mipha. Et il n'y a pas l'air d'en avoir. Ah si. Bah après celle-là on essaye la mission principale. Et voilà. Ça sert à rien, je vais le désactiver, je pense. T'as vu, j'ai mis des guirlandes de Noël sur mes séparateurs d'images. Ok, donc il faut protéger ce monsieur. J'ai bien fait de prendre Mipha parce qu'elle rend des PV en plus. Faire tomber la neige, c'est vrai que ça aurait été pas mal aussi. Allez, avance. Ah mais tu veux vraiment tous les tuer ? Pas fini, hein. Y'en a plus ! Oh. C'est bon ? Allez ! On voit plus rien !
Allez, on y est presque. Bon, là, va y avoir un guet-apens. Ah oui. Il y en a trois. Ah non. C'est une teigne cette petite Mipha. Il arrivait pas à l'attraper parce qu'elle glisse comme un poisson. Allez, on retourne chez les Yiga. Je suis obligé d'avoir Link ? Non. Allez, j'y vais. Unissons nos forces. Je prends toutes les deux, par contre. Je vais booster leur niveau un petit peu. Comme ça, ça sera bon. Voilà. Ça, on devrait être... Je devrais m'en sortir. Gain rubis, dégâts causés par la foudre. Plutôt, ou à dégâts infligés, ça sera mieux. C'est très bon. Oui, je suis d'accord. Et c'est parti. Grâce au tour Sheikah restauré dans toutes les régions, Zelda et ses compagnons pouvaient rassembler instantanément des informations de tout le royaume sur leur tablette Sheikah. Sans perdre de temps, Prua mit cette fonctionnalité à profit afin de localiser les repères du gang des Yiga et des monstres. Pour prévenir tout assaut contre le château d'Hyrule, Urbosa décida d'entreprendre une mission de recherche et de destruction des ennemis à bord de la créature divine Vanaboris. Ah, c'est vrai qu'on ne l'avait pas pilotée, elle, encore. Me demander comme ça de prendre les commandes de la créature divine, je vous jure. Mais bon. Au moins, ça me fera de l'entraînement. Qu'est-ce qui déclenche lui ? Des tempêtes de sable ? Et un orage ? Il était pas évident le combat contre lui là. Qu'il fallait glisser sur le bouclier et tout là ?
éradication du gang des Yiga. Ben, ça n'a pas marché parce que 100 ans après, ils sont toujours là. Ok. Ah ok, je pige. Il est cramé là ? Non, il est toujours là. Ah, j'ai plus d'énergie. J'étais en panne de batterie. C'est vrai que toutes ces portes, elles y sont pas dans le... après. Détruit par le dromadaire. Ou par le chameau. C'est un chameau. De boss. Chameau. Eh, salut Grazias. Le plan de Prua. Tu arrives à la fin, malheureusement. Tourbossa se conclut sur un succès. Zelda et ses compagnons pouvaient témoigner
de la puissance des tours Sheikah. Les exploits de Vanaboris avaient ouvert la voie vers le repère du gang des Yiga. Profitant de ce succès, nos héros décidèrent de prendre l'offensive et de se lancer à l'attaque. On va faire un combat, mais dans 10 minutes, je vais me coucher. On est prêt. Ah mais il y a du monde là, on est une belle équipe. Au moins j'ai passé le bonjour. Ouais, mais c'est toujours sympa de voir que tu passes le bonjour, ouais. Surtout que c'était plutôt calme ce soir. Il n'y avait pas grand monde. Et Seigneur Magma qui passe, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir, désolé c'est arrivé, c'est tardif, non mais y a pas de problème, toujours plaisir après une longue journée de pouvoir se détendre devant ce live, merci à toi de passer, malheureusement vous arrivez sur la fin, ça va être la dernière bataille, il va rester 10 minutes à peu près. C'est par où? Par là. Korogu. Yahaha! Ça fait un moment que je suis pas passé, du coup j'ai vu que tu streamais, j'ai go de suite, ouais. On y va. Bah après les horaires c'est toujours les mêmes, hein. Entre 20h et 22h, mardi, jeudi, dimanche, et le samedi après-midi. Samedi en début d'après-midi. C'est clair. En fait, je sais pourquoi j'aime bien Urbosa. C'est parce que je suis électricien, en fait. Ça doit être ça. Que 6 follow avant les points de chaîne. Ouais, ça serait trop bien. Je sais pas ce qu'on pourra activer. Ce qu'on pourra créer comme point de chaîne, mais on réfléchira. Les points de chaîne, un meilleur référencement. Ça pourrait. Enfin, pour moi, ça peut être très utile. Pour vous, ça changera peut-être pas grand-chose. Après, on pourra rester en 50, j'ai pas besoin de plus. Après, s'il y a trop de monde, je vais me perdre. Déjà, quand il y a 3 personnes, j'arrive plus à suivre le chat. Oh là, ça fait peur. Thank you.
on y est presque. Ça y est, te voilà. Tu étais faible, petit. Maintenant. Salut. Ah, l'embuscade. Bon, le repère Yiga, il est un peu plus grand que dans le... que dans Breath of the Wild, quand même. Droite ou gauche? On reconnaît la fameuse boule de Koga, je sais plus comment il s'appelle. Comment t'as survécu, toi? Allez, plus qu'un. Yaha! Des officiers Giga enclenchent, encerclent l'éclaireuse. Oh. Ah! Arrêtez-vous! Ils sont dans l'eau! On va les faire souffrir! Je t'ai pas vu, toi. Tu as eu la malchance de m'avoir fait. Allez, prenez ça. On va la chercher, ta collègue. C'est par où? La porte est fermée, je peux pas y aller. Faire un gros retour en arrière, ok, c'est parti. Avant, dans Breath of the Wild, c'était de la grosse infiltration. Là, c'est du gros bourrinage. Ça, c'est comme ça que je l'ai fait, l'infiltration, moi. Allez,
Par contre, les petits recoins là, j'aime pas. Ah, là, on reconnaît bien la zone. Là, il y a les cachots, normalement. Aïe, ça pique. Mais quelle finesse dans le gameplay, tu trouves ça? Tu as eu la malchance de m'avoir face à toi. C'est un bon jeu de bourrin pour bien se détendre. Ah, le jeu est pas mal. Faut aimer le style, mais moi j'aime bien, ça va. C'est pas trop difficile, qu'il y a des jeux comme ça qui sont un peu durs, celui-là ça peut aller. Hello, vous avez trouvé une éclaireuse. Du-du-du-du. Bon, par contre, hein, les sous-titres, c'est pas ça. Enfin, les doublages. Salut! C'était presque difficile. Je vois que vous commencez à bien connaître le jeu. Tu peux me tutoyer, s'il te plaît? Je suis vieux, mais pas autant que Jess. Ça va, je maîtrise assez. Bah, surtout ce personnage, je l'adore. Elle est parfaite. À contrôler, je suis fan. C'est par où? Ah, encore toi? Et si je gelais tout ça? Merci, mais de rien, Jess. C'était de la part de Mag, en fait. Elle aurait apprécié. Et si je gelais tout ça? C'est un problème, je te présente mon excuse. Mais non, pas de problème, t'inquiète. Peut-être qu'il y en a qui demandent une certaine... Enfin ouais, je demande une certaine forme de respect, oui. Merci de ne pas m'insulter, mais pas besoin d'être très très formel sur ce genre de point. Et si je gelais tout ça?
Mika est jeune dans sa tête, un peu trop. Ouais. Ah moi, après 20 ans, j'ai arrêté de compter. J'ai 20 ans avec 15 ans d'expérience. Ça fait 3 fois que je te tue, toi. J'espère que c'est définitif. Ah, c'est pas fini. Ok. L'autre côté. Et là, normalement, on va se rebattre contre le gros moche. Ah, là on reconnaît la zone, enfin ceux qui ont fait Breath of the Wild reconnaissent. Allez, debout. Vous nous avez donné du fil à retordre. Mais... je m'en fiche pas mal. J'ai la rêve, tant mieux. Complètement. Bon, le combat sera pas le même par contre, hein. Vos vies s'arrêtent ici et maintenant. Si tout se passe bien. Il est même pas sûr de lui, tu sais, le méchant qui doute. Si tout se passe comme prévu, vous allez mourir. Aujourd'hui, ici même, le chef suprême des Yigas, le grand Koga, va vous exterminer tous autant que vous êtes. J'ai peur. Arrêtez-vous. Ah, c'était pas le bon. Le moment est venu. Passons aux choses suivantes. Je vais éternuer. Non, c'est bon. Non, c'est passé. Ah. Aïe. Si j'utilise ça. Oula. Super Choups. J'adore ce... Comment ridiculiser un chef. Yeah.
vous. Allez, brûlez. C'est fait. Allez, fuis. La décompade express. Technique spéciale. Ah, elle aura été longue cette mission, hein, presque une demi-heure. Parce que ouais, je l'ai commencé à moins 20, je crois. Eh ouais, t'as perdu. Dis donc, toi. Tu nous as raconté des bobards, hein? Il m'est impossible de laisser passer un tel affront. Absolument. Maître Voyant. Ah, il va les buter tous les deux. Tout était prédestiné. Même cette défaite. Hein? Mais je vous préviens, si jamais vous décidez de vous séparer de moi, vous deviendriez aussitôt des ennemis du fléau Ganon. Non, bon, ben ça va. J'aurais aimé qu'il les tue. Que ce soit un vrai méchant. Le nom des Yiga est indispensable à la réalisation de notre grand dessein. Continuons à coopérer, vous et moi. Et œuvrons à la résurrection du fléau. Je le verrai bien dans le 2, lui. On verra ce qu'il nous annonce. Les tours Sheikha, on dirait bien qu'elles vont nous rendre de grands services. N'est-ce pas? Et ce n'est pas tout. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Oh! La téléportation. Proua, ne nous fais plus de telles frayeurs. Je suis désolée. Mais bon, cette fonction est vraiment fascinante, non? Enfin, il y a un mec qui a fait ça avec une mouche, ça a pas marché. Hein. Alors, pour l'instant, je ne peux pas transporter beaucoup de personnes et le nombre de destinations est limité. Poursuivant mes recherches, je pourrais peut-être encore améliorer ça. Heureusement, de nombreux chercheurs nous ont rejoints ces derniers temps. Avec ces recrues, nous allons pouvoir redoubler nos efforts, hein? Voilà qui est rassurant. Avec toi à nos côtés, au moins... Elle a le blues. Enfin, sache juste que je compte sur toi, Proua. Voili voilou, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc la prochaine stream, ça sera... jeudi soir à 20h, je continuerai et je pense que je terminerai Resident Evil Révélation 2. Et samedi, ça sera Cyberpunk normalement. Normalement, ouais. Si, comme je disais, si mon ordinateur arrive à faire tourner le jeu et le logiciel de stream en même temps, ça devrait être ça. Et à condition que le jeu soit pas trop buggé aussi, on verra. Voilà, j'ai plus qu'à vous dire bonne soirée, merci à tous d'être passés, merci Jess de m'avoir accompagné toute la soirée, et à bientôt, ciao !